on se positionne mal et une personne peut facilement envoyer une carapace dans le but de son coéquipier. Hey, un pas pour nous. Mario, au lieu de descendre, il était par en haut. Mario. Oh. Ah, c'est un photo Mario. Oh, Mario! Ouais, les computers sont assez... mauvais, hein? Mauvais, c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours plus fun de jouer à 4 joueurs. Oh. Tu vas te ramener au début. Bon, bonne déduction. Mais tu vas ramener Wario aussi. Mario. Mais son tour est déjà fait, donc c'est quand même moi le plus près. À moins qu'elle utilise son champignon d'or. Comment on le fait? Tu appuies sur B quand que le choix se présente. Donc tu appuies sur là et ça monte B item. Ou chance que débutante, sinon il aurait pas dit. Ah non, je l'avais dit, quand même. Pas méchant à ce point-là. Si tu pognes 3 chiffres pareils, tu gagnes 20 sous. Oh. C'est pas grave. Eh, mais attends, ça mène pas à où ça? Ça prend une clé pour continuer. Non, pas une bonne idée ça. Non. Non, Ça va pas l'air à créer, mais non. Et de l'autre côté, il y a le bout, donc. Tu peux voler de l'argent à quelqu'un. C'est une idée. À la banque, ben, tu vas en perdre, à moins que tu tombes sur la case. Mais elle a trop... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, je suis souvent. Alors, si je m'en vais de ce côté... À droite, ça va un peu pire. Ouais, je vais prendre ce côté. Tu voulais de l'argent? Ouais! Fait que tu fais ça. Tu choisis le personnage à qui tu veux l'envoler. Désolé. C'est bon. Il est habitué. Désolé pour le son. C'était pour. Oh, ok. 22 cette fois-ci. Ouais, plus t'en as, plus ça en prend. Tu peux appuyer sur A. Et ça va prendre tout et tout. Pas tout. Juste 22. Non, je sais. Ok, juste 5. C'est pas la peine, non? 6. Comme si j'allais aller vers la gauche. Mes camarades, oh. Bon, Dizzy Dancing. C'est le CD? Ah oh, oui! Donc le but de ce jeu... Bon, c'est qui appuie sur le côté en même temps que moi? Moi. Bon. Ok! Le but de ce jeu est... Bon, au début, on se fait tout propulser par le CD qui tourne. Et on est étourdi. Oh, donc, okay. Nos contrôles sont inversés. Souvent, j'en ai aucune idée de quelle façon c'est inversé. Mais... je sais que c'est inversé différemment certaines fois. Donc, admettons, des fois, on veut aller vers la diagonale en haut à droite, mais faut peut-être aller en haut à gauche. Et ça fait des choses comme celle-là. C'est comment on va être inversé. Donc, le but est de savoir dans quelle direction ça va tenir par où. Puis, le premier à atteindre le centre du CD. Pas juste le centre du CD, et sauter et attraper la note dans les airs. Ouais, ok, sauter avec A, première note. Oui. C'est juste ça. Tu peux aussi faire des coups, du monde en sautant et en faisant Z, qui est L dans ce cas-ci, pour... Voilà, des coups avec B. Pour déstabiliser les adversaires. Je pense que je vais utiliser B plusieurs fois. Une pratique. Ok. Ah non, utilise pas B. Va directement sur le milieu, parce que lui, c'est tout ce que tu fais. Ouais, moi, j'évite les coups, pis... Bon, si je commence en haut à droite, ça veut dire que je vais me faire propulser en haut à droite. Donc,
sais pas comment tu fais. Je trouve mes contrôles, puis après ça, je les utilise. Je fais juste tourner le joystick, quand je vois que ça va à la bonne place, je fais rien continuer de ce côté-là. Ok, ben on peut l'essayer. Encore une fois, c'est lui qui gagne tout le temps. Bon, je vais détendre bas à gauche. C'est Peach! Oh ben bravo! Félicitations, tu réussis à le battre! Moi j'étais très près derrière. Merci. J'ai pas trouvé mon contrôle tout de suite au début donc. Ça m'a pris un peu plus de temps mais quand je me suis trouvé, je m'en allais vers mais il y avait déjà quelqu'un qui l'avait. C'est pas grave, je l'aurais bien besoin. Allons donc! Non, 20 sous. Ça va lui permettre quand même de s'acheter l'étoile s'il vient qu'à se rendre. Oh non! Ma chance me tombe dessus comme une grosse tomate bien. Des petits chevaux dans le coin. Non, tu vas être tout seul contre moi. Moi contre vous trois? Ah ben au moins c'est un jeu où ce que tout le monde va sortir gagnant. Oui, c'est un jeu de sous. Faut juste ramasser plus de sous. Oui, faut ramasser plus de sous. Elle décide la direction dans laquelle elle tourne le spin, oui. Le spin. Et nous autres, on fait rien que bouger pour rattraper les sous. Je crois pas qu'on peut sauter. Ah, ok. Alors, faut faire attention de pas se ramasser dans le tourbillon. C'est juste ça. Ouais. Sinon, si tu te fais ramasser dans le tourbillon, ben, tu perdras pas toutes tes coins, mais tu vas quand même... tu vas plus pouvoir en ramasser. Tu vas quand même avoir accumulé ce qu'il y a déjà. Et le tourbillon attire, donc. Et voilà, je me suis fait aspirer. Je crois bien que Elmagia va avoir beaucoup de sous. Hé hé! Je crois bien qu'elle n'est pas si mal chanceuse que ça. J'ai eu la chance que ce soit moi qui ai eu ce jeu. Vous trois n'avez même pas eu ce que moi j'ai. Non, mais moi je suis tombé trop vite. Ouais, t'es le seul qui a pu me donner du trouble. Je sais pas pourquoi j'ai glissé, genre. Ah ben ça me rassure, je suis pas totalement au dépourvu. Moi j'ai même pas rattrapé donc. Ah, vous avez toutes dans la quarantaine. Et je ne parle non, pas d'âge. J'ai juste 18 ans! C'est comme je viens de dire, je ne parle pas d'âge. C'est pas gros juste. Non, c'est pas là, c'est en haut. Ouais. Mais je crois que vers la gauche, je serais quand même plus vite que par en haut. Ok. Oh, comme tu dors. Ah, ça me met en troisième. Merci. Salut. Org, vite. Non. Mais tu pourrais. J'ai pas envie. C'est du gaspillage. À deux cases. Et puis tu comptes tout le monde. Ouf. J'aime pas chaque drop and roll. Ah oui, ça. Ça, c'est les keys. Donc, toi, tu lances une boule de king, et il y a différents terrains. Puis tu peux faire des curves avec ta boule, ben, ta carapace, n'importe quand. Ah, oh, ok. Tu appuies sur A pour la lancer. Ben, au début, tu choisis où tu te places sur la piste. Après ça, tu lances. Puis après ça, tu diriges jusqu'à ce qu'on va avec A et B. Avec droite et gauche, je veux dire. Ah, oh, ok. C'est comme Et tu essaies de frapper tout le monde. Puis si tu ramasses une quille blanche, ça donne aussi un sou pour toi. C'est un sou bonus. Ah, ok. Si tu tapes nous, ben ça donne des sous. Puis s'il y en a un qui reste de nous, ben tout le monde gagne quand même. Ah, ok. Oui, donc faut que les trois. Est-ce qu'on peut faire une pratique ou pas? Ah, désolé. Ah, c'est facile quand même, là. T'as le terrain le moins curvé. Donc nous, pour s'enfuir, ben il faut qu'on saute. Attention! Hic! Non! Ouf!
vas-y! Ça a passé très près! On va pas nous avoir! Mais au moins tu vas avoir 3 sous! Ah, ok! Ça t'a fait tomber les 3 quilles blancs! Oui! Oh, j'ai eu chaud! Moi aussi! Ouh, il va être proche, lui aussi! Ah, il va tomber sur une case rouge ou une case basée, je suis plus sûr si quelqu'un en a fait de moi. Ah, une case rouge. Est-ce que c'est moi qui l'a? Non, non! Ça aurait été de l'autre côté, en tout cas, tu l'aurais eu. Non, je crois que c'est moi. Ça va être 20 sous, là, je crois. Oui! Oui! Ça très cher, elle est gagnable! T'as chauffé! Et les mini-jeux là-dedans, souvent, sont plus chanceux. Wrecking them all! Ah! Bon, là, qu'il pas... Oh! Tu comprends pourquoi mon... Fait que... Si t'appuies sur A, ça ramasse. Tu dois tenir ça bien pour avoir les bons champignons. Les champignons morts sont des champignons poison, donc ça te fait perdre des points. Okay. Champignons d'or valent plus de points. Ok. Pratique ou... Commençons. Comment tout le monde pratique ça? Okay. Merci. Ok, allons-y! Qu'est-ce que tout le monde déteste ce jeu? Oh! Je vais même pas me distiller. Champignon d'or! Bien pour la pratique, là! Oh non, champignon d'or! Pourquoi on n'a pas fait une vraie game? Je me sens super mal. Hey, moi aussi! Ah! Oui, j'ai champion aussi! Oh! Ça, il a gagné! J'ai eu un autre champignon! Va falloir que je regarde la vidéo plus tard. Il y a un champignon qui est tombé pendant la petite cinématique de fin. Ouais, mais c'est pas un honneur, ça, quand on a eu 3 jeux. Bon, là, c'est vrai, là! Ouais. Non, c'est Wario, il y en a 10! Oh. Ah, j'en ai juste un, parce que j'ai pas en poche. Non, Pio. Wario, on a 10! Moi, j'en avais juste un. Oh my God. Ouch! Je reviens les féroces, ce bout-là aussi. Je suis sûr qu'il a triché. Il triche tout le temps, Wario. Ouais, surtout dans Mario Kart. Dans Mario Kart, Wario, il triche. Je me rappelle plus du nom de vidéo dans lequel on l'a dit, celui qui regarde de commenter combien de fois on a mentionné ça dans nos vidéos, il gagne un shout-out dans la prochaine vidéo, après qu'on sait c'est qui. En autant que je pointe pas, hein. C'est bon. Oh, je dis oui. Oui, je le vois. 3. Bon. Retournons par là-bas. Oh mon. Belle petite ride. Au moins j'ai eu 8. Non. Dommage. Ouais, chaud, même là, c'est tout ça aujourd'hui. Ça pue. C'est pas moi. Tout le monde contre Mario! Oh, de la fun! Train game, oui, on a rien qu'à peser des débiles, comme des débiles sur A pour faire en sorte qu'ils nous... Ah ouais, alors il réussira jamais. Bon, c'est ça, Wario il a juste à faire ça, et nous on a juste appuyer sur A, c'est très vite, s'il nous attrape. Oui, s'il nous attrape. C'est vraiment pas difficile. Ah, oh, ok. C'est vraiment très difficile, en fait. Hein? Faut que tu appuies très vite. Ah, il va gagner, là? Je penserais bien que oui. Même en... Oh, merde, je suis comme vraiment proche. Le seul qui aurait vraiment eu une chance de vraiment le... Non, il prend le 30. Non. Il prend le 30. Oh! C'est la lumière qu'il faut suivre.